Viens à l'école avec ses chaussures marines et féminettes stylées. Commençons notre première chaussure avec la scientifique de la maison magique, Marine. Je n'arrive pas à venir en place. La fourrure de Marine est vert écume, donc je commence avec une chaussure de la même couleur. Savon vert, comme moi. Cette bande à paillettes bleues te donnera une touche de style et de bonne humeur. J'utilise du feutre pour dessiner une patte, comme celle de Marine. Elle porte une étoile rose vif sur sa tête. Donc ajoutons-en une à la chaussure. Oui, c'est bien l'étoile de mer. Elle est pareille que la mienne. J'utilise des paillettes pour imiter les écailles de sirène de Marine. Sur le bout de la chaussure. Par mes écailles chatoyantes, ça brille. Donnons à notre chaussure des oreilles de chaton comme Marine. Je vais les ajouter sur la languette de ma chaussure. Et maintenant, c'est chabuleux! Ce ruban brillant me rappelle l'une des lotions et potions de Marine. Transformons-le en lacet. Il est temps d'enfiler les lacets pour ajuster la chaussure. Tout va mieux avec des bulles, alors ajoutons ces autocollants en guise de touche finale. Cette chaussure est trop belle! Par la marineuse! Utilisons la magie du jardin pour transformer ces chaussures roses façon féminette. Lisa Malice, alors au travail. Féminette vit dans le jardin de contes de fées, donc je commence avec une rayure vert gazon brillante sur ma chaussure. Des paillettes sortent de sa queue en boutons de fleurs. Alors ajoutons ce petit rappel sur la chaussure. Sensationnel! Féminette utilise sa queue pour aider tous ses amis du jardin à pousser. Rendons la chaussure encore plus magique avec des ailes de fée. Pour faire ses ailes, j'ajoute du papier rose brillant sur un morceau de plastique. Dessinons les motifs fleuris sur ses ailes. Tu peux maintenant aller à l'école avec tes chaussures stylées. En nous servant de nos ailes de fée, voyons. J'ajoute du feutre vert sur ma chaussure pour qu'elle ressemble à l'herbe du jardin de fée Minette. Les fleurs en tissu jaune et blanc ressemblent à la couronne de fleurs de fée Minette. Maintenant, faisons pousser le jardin en ajoutant les perles sur notre lacet ruban. Sensationnel! Et maintenant, on va fabriquer des antennes magiques! Quand j'ajoute ces boules blanches sur la pointe des lacets, ça ressemble au serre-tête à antennes boules de fée Minette. Fantastique! Cette chaussure féminette est magique! Maintenant, tu peux emmener tes chats préférés de Gabi avec toi, partout où tu vas! J'espère que tu auras aimé créer ces chaussures fantastiques aujourd'hui! Regarde d'autres projets avec Gabi et la maison magique sur Netflix! Gabi et la maison magique de DreamWorks!